Fashion, nous arrivons maintenant Midtown et je vous emmène dans la boutique complètement cachée puisqu'il faut vraiment la connaître pour y accéder, la boutique du chausseur international que toutes les femmes adorent, Manolo Blahnik. Est espagnol, il a lancé sa marque grâce à la plus grande prêtresse du Vogue américain qui l'a poussé et qui lui a dit « Vas-y, je crois en toi ». Ni une, ni deux. Aujourd'hui, Manolo Blahnik est non seulement le seul créateur de sa marque, il n'y a pas une paire de chaussures qui sort de la factory sans qu'elle soit conçue par Manolo lui-même, pas de studio, c'est lui qui contrôle tout, et si ce n'est pas lui, ce sont des membres de sa famille, et surtout, Manolo Blahnik a à peu près 3000 paires de chaussures et prototypes dans son appartement. C'est le génie du talon aiguille à New York. La clientèle de Manolo Blahnik vient du monde entier, donc chaque chaussure rappelle un continent différent. Donc là, on est plutôt, bon, aussi dans une ambiance de fête, de mariage, qui à mon avis satisfera plutôt une clientèle arabisante ou bien encore plus asiatique. Mais il faut savoir que la plupart des clientes viennent ici pour trouver des pièces intemporelles, de vraies basiques, comme par exemple ces bottes, dont je suis complètement fan, qui sont stretch, avec lesquelles vous pouvez marcher toute la journée, qui ne s'abîment pas parce que, en plus, vous pouvez choisir de ne pas forcément avoir le talon qui est recouvert de suède et l'avoir à votre pointure. Vous pouvez aussi la stretcher pour qu'elle ne soit pas trop serrée. Il y a évidemment un énorme service qui est fait puisque le prix des chaussures est assez élevé, donc tout le service va avec. Ou bien encore celle-ci, qui est l'une de mes préférées, ils viennent de la sortir avec l'élastique sur les côtés et vous pouvez vraiment admirer le côté fin. Tout est dans la finesse, un vrai raffinement, une élégance, et c'est vraiment pour ça d'ailleurs que dans Sex in the City, Sarah Jessica Parker ne portait que du Manolo Blahnik. Alors il faut savoir qu'Anna Wintour ne jure que par la marque, mais pas seulement la marque. Elle ne jure que par une paire de chaussures l'été et une paire de chaussures l'hiver. Donc en l'occurrence, cette paire qui a un tout petit talon qui revient énormément dans la tendance, terminée les talons très hauts, même si pour autant ça fait une plus jolie silhouette, mais celles-ci sont quand même plus faciles pour marcher et elle les ajuste dans 1000 couleurs différentes en alternant avec du piton, du croco, du cuir, du suède, enfin bref. Voilà, j'ai très envie d'aller voir la garde-robe d'Anna Wintour et toutes ces petites chaussures qui sont les unes à côté des autres. Vous aussi, non? Bon, mais le blabla, c'est bien, mais j'imagine que vous attendez, comme moi, les essayages. Offended, not let it go from a mess to the masses.